La sneaker, c'est désormais de toutes les formes et de toutes les couleurs. Et afin de conserver au mieux des paires devenues des objets de collection, de plus en plus de monde ont recours à des services de nettoyage et de customisation. Je suis déjà allé en magasin à côté pour faire restaurer une paire de Jordan. En vrai, c'était bien, c'était pas trop cher, le travail était propre et ils ont pas dégradé la paire. Franchement, c'était bien. J'ai songé à le faire, mais jamais passé le cap. Pourquoi pas à l'avenir ? Une demande de nettoyage personnalisé de plus en plus importante et qui n'a pas tardé à trouver écho. Comme ici, dans le nord de Paris, où Eladj Keita vient d'aménager dans sa toute nouvelle boutique. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de paires et que je ne trouvais pas les solutions pour les entretenir, les nettoyer ou les réparer. Donc j'ai commencé avec quelques petits tutos sur Internet pour le faire moi-même. Et puis de fil en aiguille, j'ai trouvé ça plaisant, j'ai vu que ça intéressait pas mal de monde. Donc j'ai décidé de monter ça. Une passion qui est devenue un métier avec un concept simple. Voilà comment on peut résumer l'histoire de Maison Sneakers. Du dessin de manga sur une basket montante au lavage de paires classiques, les demandes sont variées et chaque cas nécessite un traitement particulier. Donc ça, c'est notre formule magique. On vient mettre le produit sur l'ensemble de la semelle, sur toutes les parties qui ont jauni. Derrière, on va la filmer. Une fois qu'on a filmé, on passe le produit sous la lumière UV, où on vient positionner notre chaussure. Et là, en fonction du jaunissement, donc pour celle-ci, on a besoin au moins de 48 heures. Et après, elle ressort blanche, nickel. Pour ce genre de prestation, comptez entre 20 et 30 euros pour une paire. Un service de niche donc qui est devenu un passage obligatoire pour tous les amoureux de la sneakers. Au point même où le terme de sneakerier est apparu et veut se faire une place dans l'artisanat classique.